j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Première vidéo depuis que je suis rentrée de Corée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis restée un mois en Corée du Sud à Séoul. C'était le meilleur voyage de ma vie. Voilà, je peux le dire. De tous ceux que j'ai fait, c'était le meilleur. Je veux vivre à Séoul. N'hésitez pas à aller voir tous les vlogs que j'ai fait. J'en ai fait vraiment plein là-bas, si jamais ça vous intéresse. Tout ça pour dire que je suis arrivée hier soir. Aujourd'hui, on est dimanche. Cette vidéo sort mercredi. Je me suis dit que j'allais vlogger. Comme ça, c'est spontané. Le pire moment dans un voyage, c'est-à-dire le retour, le moment où tu ne sais même plus quel code il faut faire pour rentrer chez toi, c'est ce moment-là là que je filme, c'est ça là aujourd'hui. Je pense que c'est la pire transition de tous les voyages que j'ai pu faire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si un jour vous avez fait un voyage ou quand vous êtes rentré, ça vous a choqué, genre vous ne saviez plus comment vous vous appelez, voilà, c'est vraiment ça le mood. Donc je vais vlogger mon déballage de valises, rangement de maison, haul de tout ce que j'ai acheté en Corée parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Je suis vraiment pas une meuf du shopping, genre vraiment pas, mais en Corée t'es obligé d'être une personne du shopping, t'es obligé d'acheter, c'est tout est incroyable. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu acheter, même en skincare, en plein de petits trucs. Et voilà quoi, j'ai reçu aussi des colis pendant mon absence. Je vais vous montrer ça. Je sais que c'est des vidéos que je filme jamais. Genre je filme jamais ce genre de trucs de valise, de haul. C'est pas forcément des trucs que je montre en vidéo. Donc je me suis dit que ce vlog pouvait être assez cool. Est-ce que je vous montre mon salon? Me jugez pas. Nous avons... Oh, putain. Non mais là c'est grave. Est-ce que ça vous suffit ou pas? Voilà, je suis arrivée hier soir, donc vraiment j'ai eu le temps de rien faire. Donc aujourd'hui, on s'occupe de ça. Et regardez, qui est-ce que j'ai retrouvé? Coucou! Oh! Lui, il s'en fout complètement des valises. Vous savez comment on sait que quelqu'un est rentré de Corée? Regardez ma peau. Genre, je me rends compte que j'ai grave bonne mine. Alors que j'ai pris l'avion pendant genre 13 heures hier, je suis censée être au pire de ma forme. Ma peau a trop changé en Corée. Vraiment, les produits que j'ai utilisés, bah, je vous montrerai du coup. Ça a trop changé. Bref, il est 14 heures passées. J'ai très faim, j'ai besoin de force pour déballer mes valises. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec HelloFresh. Je suis hyper contente. J'ai déjà collaboré avec eux et c'est vraiment incroyable. Vous savez que je n'aime pas du tout cuisiner, on va pas se mentir, je vais pas faire genre. Je suis une grande cuisinière, nanana, c'est pas vrai. Je déteste cuisiner parce que j'ai jamais d'idée. J'ai toujours la flemme de faire les courses. Et là, HelloFresh, ça regroupe exactement ce dont j'ai besoin. HelloFresh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui vous permet de commander vos recettes de cuisine avec tous les ingrédients exactement dans le bon dosage, avec toute la recette, avec tout. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous allez manger parce que sur le site, vous pouvez choisir absolument tout. Si vous mangez pas de viande, si vous mangez pas de ci, tout est adaptable pour tout le monde. Et en plus, vous choisissez vos recettes, vous recevez tous les ingrédients, on va prendre au hasard. Une repas. Moi j'ai pris pour deux personnes bien sûr. J'ai ma petite feta, j'ai mon aubergine, j'ai mes trois tomates. Je sais pas ce que c'est la recette, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a exactement pile ce qu'il faut. Dans mon colis j'ai ma petite enveloppe avec mes menus. En sachant qu'il y a toujours marqué le nombre de minutes, 25 à 35 minutes en cuisine. Très important parce que moi j'adore quand c'est rapide aussi, ça je peux le choisir. Là j'ai pris ma semaine veggie parce que j'ai mangé beaucoup de viande en Corée et que ça me fera pas de mal. Salade de penne, burrata et tomates cerises. Franchement ça me tente trop. Let's go. Salade. Ça fait 10 ans que j'ai pas mangé sainement. Trop bon. La burrata est particulièrement bonne. Si jamais ça vous intéresse, avec le code HANDYFOOD, vous avez jusqu'à 80€ de réduction sur vos 3 premières box. Le lien est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En sachant que vous pouvez vraiment tout personnaliser, le nombre de repas que vous voulez dans la semaine, quand est-ce que vous allez être livré. Tout est faisable sur HelloFresh et surtout vous pouvez annuler n'importe quand, très important aussi. Donc voilà, je vous laisse aller voir la barre d'infos, moi je mange tout. Et ensuite on s'attaque au rangement. J'ai pas envie, vraiment pas envie. Bon, la vraie question c'est par quoi je commence? Je sais pas du tout, en gros ça c'est ma grosse valise avec tout ce qui est vêtements et compagnie. Et j'ai aussi mis les trucs fragiles dedans, parce que comme il y avait plein de vêtements, je me dis c'était un peu, ça amortissait les chocs. Là c'est la...
C'est là où il y avait les sèche-cheveux, les produits, les trucs comme ça, et plein d'autres machins comme genre mon trépied, du champagne, vous voyez ce genre de truc qui n'a aucun sens. Et là c'était sac et lunettes, là c'est genre cadeau, et là c'est skincare, et après là il n'y a plus rien qui va. Je pense que je vais mettre tous mes vêtements sur mon lit, comme ça je ferai le tri de ce qui est propre, ce qui est sale, et après j'aurai une vision plus claire de tout ce qu'il y a dans les valises. Donc let's go, je vais déjà essayer de la déplacer jusqu'à la chambre. Jamais eu une valise aussi lourde de ma vie entière. C'est un paquebot. Oh my god, l'enfer de trier le linge, voir ce que je veux laver, ranger dans le placard. Mon placard, oh, il a aucun sens. J'ai l'impression que je dois le trier toutes les 2 minutes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo genre je trie tout mon dressing. Mais je vous jure que j'en ai besoin parce que là je sais même pas où je vais ranger ces affaires. C'est n'importe quoi ce placard. Bon, ça c'est fait, on va aller voir les petits cadeaux. J'ai hâte de déballer, j'ai l'impression que c'est Noël. J'avais acheté de la vaisselle de ouf. C'est trop beau. Oh, j'aime trop. Regardez comme c'est beau pour mon matcha du matin. Et d'ailleurs, ce qui pousse à faire du shopping là-bas, c'est que ce genre de truc en France, mais imaginez le prix. Là-bas, ça ne coûte rien. Enfin, alors ça, c'était pas les trucs les moins chers que j'ai acheté, je vais pas vous mentir, mais vraiment, genre, je ne fais jamais de shopping en vacances, je vous dis la vérité. C'est genre, je déteste ça. Déjà, je déteste la surconsommation. Genre, si j'ai pas besoin de quelque chose, je ne vais pas l'acheter. Il y a que quelques trucs sur lesquels je peux craquer, mais sinon, genre, je vais pas m'acheter plein de fringues, je vais pas m'acheter plein de cosmétiques, sauf quand j'en ai besoin, quoi. Et en fait, là, c'est vrai que malgré tout, t'as envie de tout acheter et surtout, c'est pas cher. Genre là, quand je vous dis j'ai fait plein d'achats, vous allez vous dire, mais la meuf, elle a dépensé des centaines et des centaines et des centaines d'euros. Mais pas du tout, ça ne coûte rien. Bref, une autre petite tasse en gris. Il me semble que Jérémy, il avait pris des verres. Parce que oui, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé plein de trucs dans la chambre. Lui, il est parti avant et il m'a laissé plein de trucs qu'il avait acheté à mettre dans mes valises. Il m'a pas respecté. Il a acheté 2 verres, ils sont trop beaux. Et du coup, moi, j'avais acheté les petits bols. En fait, je m'étais dit, genre pour le petit déj du matin, c'est trop bien. Hop, un petit bol comme ça et un petit bol comme ça. Je sais pas, j'aimais trop le mood. Ah oui, mais j'ai aussi acheté les cuillères. Ah oui, il y en avait plus des verres, donc j'ai pris une rose. Trop bien. J'avais acheté ça aussi. Je vous avais montré, mais du coup, je l'avais pas ouvert. C'est un chat rose. Je trouvais ça trop mignon. Il faut des piles. Bah, j'ai pas de piles. Voilà, vous le verrez pas. C'est un chat tout rose. Alors, j'ai acheté des trucs. En gros, cacao. C'est vraiment, genre, je vous en ai parlé 150 fois dans les vlogs. C'est vraiment la boutique où vous devez aller si vous allez à Séoul. Donc, j'ai acheté là-bas un million de choses. J'ai acheté des petites tasses comme ça. J'aime trop. J'en ai acheté plein. J'en ai acheté pour moi. J'en ai acheté pour Jérémy. J'en ai acheté pour ma famille. J'en ai acheté pour tout le monde. J'adore ces petites tasses. Je les trouve trop mignonnes avec la. Le double fond là. J'ai acheté un dessous de verre. J'en ai acheté qu'un en plus. Quel débile quand j'y repense. La Corée m'a fait acheter n'importe quoi. J'ai aussi acheté des allumettes parce qu'elles étaient trop stylées. Je me le dis sur ma table. Avec une belle bougie, ça fait de la déco. Et elles sont roses. Autant vous dire que c'est mignon. J'ai ça que mon copain m'a offert. Les verres cacao. Oh, je les adore. C'est vraiment la Corée, je vous jure. Vous savez cette tasse que j'ai achetée? Et eh ben je l'ai cassée. Elle est toute cassée ici. Je sais pas si on voit vu qu'il n'y a pas le focus. Donc je suis un peu deg, mais bon. Ah, j'ai acheté ça aussi pour Miso. Un coussin à mémoire de forme. Ça gâche complètement ma déco, mais c'est pas grave. C'est pour un chat. Et je crois qu'il a peur parce qu'il se met pas dessus. Il croit que c'est vraiment un personnage. J'ai acheté un truc pour faire des glaçons. Mais quand je vous dis que j'ai une obsession pour cette boutique, ça vraiment j'ai acheté n'importe quoi. Je me dis comme je me fais des matchas tous les jours, j'aurai la tasse et le truc à glaçons. Vous allez voir comment c'est drôle. En gros, tu lui remplis l'eau là comme ça et tu laisses comme ça dans ton congélateur. Ça te fait un glaçon comme ça, mais je me dis ça va être tellement drôle. Mais venez, je le mets maintenant. Comme ça, tout à l'heure, on revoit comment ça va. Vas-y, je fais ça. On verra ça tout à l'heure. J'ai acheté du, mais ça vous l'avez déjà vu, une espèce de champagne rosé là qu'on avait bu pour le dernier vlog. Et ben, j'avais une deuxième bouteille. J'ai acheté ça parce qu'en gros, les Coréennes, elles mettent sur leur mèche de devant, sur leur frange, des bigoudis, enfin comment ça s'appelle ça, des bigoudis, des trucs de permanente, mais genre elles le gardent comme ça dans la rue et tout, elles s'en foutent complètement et je trouve ça génial. Du coup j'ai trop envie de tester sur des cheveux mouillés si ça me fait une belle mèche de devant. Je vous dirai si ça fonctionne, on verra ça. N'ayez pas peur. J'ai acheté des masques en tissu. Quand je vous dis que c'est beaucoup moins cher qu'en France et en plus 10 fois mieux, j'ai testé des marques coréennes de ouf. Dites-vous qu'un masque Dr. Jart, ça coûte 5, non, ça coûte 7,50€ en France et là moi il était à moins d'1€ je crois. Est-ce que vous voyez le nombre? Oh, j'ai pété les plombs. Mais déjà où est-ce que je vais ranger ça? Je me plains toute l'année que j'ai pas de rangement chez moi et je reviens avec un nombre de masques.
Je vais regretter ça dans quelques secondes. Ok, déjà j'ai ramené les masques de mon hôtel parce que là-bas ils te mettent des masques gratuits, genre ça fait partie du ménage normal, on est vraiment en Corée. Du coup j'ai acheté plein de masques Dr. Jart. Bah d'ailleurs si ça vous intéresse, mon préféré c'est celui-là vu qu'ils sont dispo en France, même si c'est plus cher au cas où. Franchement il est trop bien pour les peaux, genre grave déshydraté, trop bien. J'ai acheté des masques comme ça, je vous laisse prendre des captures d'écran si jamais vous avez besoin, qui sont trop bien. J'en ai fait un dans l'avion, c'était le Hydrating, celui-là trop bien. Franchement leur masque c'est un level au-dessus genre, et j'en ai pris, je trouvais trop stylé. Et après en m'étant renseigné, à ce qui est vrai c'est genre ça fait partie des meilleures marques là-bas, c'est le Habib, c'est des masques genre transparents comme ça que j'aime trop. Voilà bref, et là la partie où j'ai vraiment pété les plombs c'est la partie crème solaire. Alors là-bas il y a un truc qui s'appelle Olive Young, et genre c'est là où il y a tout, c'est Sephora en fait de là-bas. Et faut savoir un truc, c'est que les Coréens se protègent énormément du soleil parce que déjà c'est dangereux et en plus ça fait des rides, et là-bas tout le monde a une peau de ouf. Genre vraiment ça m'a matrixé, mais quand je dis matrixé, je suis vraiment pas une meuf du physique, genre je m'en fiche de ma vie entière, j'ai jamais ressenti ça. Les filles sont trop belles, les mecs sont trop beaux, ils ont genre une prestance, ils prennent soin d'eux, je trouve ça motivant, j'adore. Bref, j'ai adoré. Je n'ai jamais de ma vie trouvé des crèmes solaires qui ne me font pas de boutons. C'est vraiment genre l'histoire de ma vie, je cherche depuis des années. Je me suis dit je vais me lâcher, je vais acheter des crèmes solaires. J'ai regardé genre les meilleures crèmes solaires de Corée, je suis partie en mission pendant une journée, je suis allée dans tous les Olive Young de Séoul littéralement, et j'en ai trouvé qu'une sur ma liste. Horrible. C'était celle-ci, tout est en coréen donc ça va pas vous aider, mais à ce qui paraît c'est une des meilleures. Donc par peur qu'elle me convienne et que je regrette de ne pas en avoir acheté plus, j'en ai acheté plusieurs juste au cas où. J'ai aussi acheté en stick pour les moments où genre je peux pas toucher, genre pour faire une petite retouche dans la journée. Ils sont incroyables. Là-bas tu mets d'abord ta crème le matin avant de te maquiller, donc ta crème solaire comme ça en tube, et au cours de la journée tu mets avec un petit stick par-dessus ton maquillage et ça ne fait pas bouger le maquillage, enfin leur stick en tout cas ne font pas bouger le maquillage. Je vous dirai si c'est bien. Vraiment ce qui va, ça ne déplace pas du tout le maquillage, bref un délire. J'ai acheté un truc de ouf aussi, c'est un produit Laneige qui s'appelle Cream Skin Refiner, et en gros c'est censé vous faire une peau de malade, genre glowy, c'est un truc de ouf, c'est une lotion. Donc je l'ai acheté, je vous dirai si c'est bien. Et j'ai acheté, je vous jure ça manque trop de ça en France, ça manque de protection solaire mais bien, et genre pour tout. Là j'ai acheté pour les lèvres, j'en ai acheté 4 parce que j'adore les baumes à lèvres. Déjà j'aime pas la surconsommation, mais peut-être que je surconsomme un peu trop de baumes à lèvres, et du coup j'ai acheté avec une protection solaire parce que comme ça je lui ai pas de la bouche. Et voilà, après il y avait des cadeaux, genre dans chaque produit il y a toujours des cadeaux, des packs, d'autres trucs, enfin c'est ouf, c'est trop bien. Bon on va continuer la partie haul, je vais vous montrer les colis que j'ai reçus pendant mon absence. Je vous montre pas forcément ce que je reçois, mais c'est parce que j'en reçois pas beaucoup, parce que je fais partie de la team de ceux qui acceptent uniquement les choses quand elles m'intéressent de ouf. Donc du coup pour vous dire, je suis partie un mois, voilà tout ce que j'ai reçu. Pour certains ça va paraître énorme, mais croyez-moi il y en a, c'est genre ce qu'ils reçoivent en une journée. J'ai reçu de la marque Vital Protein mon collagène préféré, du collagène marin et du collagène peptide. Franchement si vous voulez avoir une peau de ouf, incroyable. Ceux qui ont aussi des problèmes d'articulation, trop bien, bref j'adore. Et là en fait c'est un format en petit stick comme ça, c'est de la poudre, donc trop cool, ça je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu un colis Benefit, une de mes marques préférées de maquillage, je suis addict. Ils m'ont envoyé leur nouveau blush, il y a un mix des nouveaux et des anciens, Sunny il s'appelle, trop bien. Il y a plein de petits trucs, et le Oula que je mets tous les jours, des blushs de ouf. Et j'ai reçu avec un petit pinceau. Oh c'est doux, trop bien, trop contente. J'ai reçu un colis Darphin, dedans il y a plein de produits skincare, mais là je pense que je vais avoir une peau de ouf avec tous ces produits. Une crème, un sérum, c'est trop mignon, il y a un mini jade roller, trop bien. Franchement j'ai hâte de tester, ça va être trop cool, avec des petits élastiques, franchement j'adore. J'ai reçu de la marque Lancaster des produits solaires. Wouh, au revoir les rides. J'ai reçu une autre protection solaire, ok, une crème visage, d'ailleurs ça fera partie des trucs que je vais tester très vite. J'ai reçu un colis de ouf de la marque M, c'est une marque que je vois chez Sephora depuis des années et j'ai envie de tester tout le temps, et quand ils m'ont dit qu'ils voulaient m'envoyer des trucs j'étais en mode let's go. Nous avons une crème, un nettoyant, mais par contre les packagings, oh my god, mais c'est incroyable, j'adore. Donnez-moi un produit qui est beau et je l'aime. Une huile, oh, non mais par contre c'est ouf, j'adore. Collagène matcha aloe vera. Alors là, vous savez pas à qui vous parlez, je vais tester ça direct. Il y a plein de trucs, ça c'est un parfum de peau, d'ailleurs je l'ai pas ouvert. J'adore.
Alors là j'adore, mais j'adore. J'ai aussi reçu de la marque Aveda une gamme protection solaire pour les cheveux du coup. Mais moi j'utilise tous les shampoings et tout, c'est incroyable comme marque, franchement c'est trop bien. J'ai aussi reçu un masque Embryolisse avec un truc, c'est quoi, presse tube, mais non c'est génial. C'est pour en gros prendre jusqu'à la dernière goutte dans les trucs en tube, mais c'est trop bien, je trouve ça génial. Bon bah trop cool, je vais tester. Et j'ai reçu un maillot de bain de la marque Icône, un petit maillot de bain qui a l'air trop beau. Oh j'adore. Et j'ai aussi reçu la nouveauté de chez Rare Beauty, qui est une marque de maquillage que j'adore, la crème teintée. J'espère qu'elle est à ma teinte, je n'ai pas encore testé mais j'ai hâte. SPF 20, on valide. Comment ça se passe là maintenant? Je pense que là, dans tous les colis, je vais faire un tri. En fait, ce que je fais, c'est que je trie tout. En gros, j'ai plein de sacs. J'ai un sac pour mon père, un sac pour ma mère, un sac pour mon mec et un sac pour vous. Quand je sais qu'il y a tel produit qui correspond à tel type de peau, je le mets. À chaque fois que je vois tout le monde, je donne le sac. Et pour vous aussi, alors c'est le sac le plus rempli, clairement. Moi, ça va, on me dérange pas, toi? Et du coup il y a un sac pour vous que je vais sûrement bientôt vous faire gagner d'ailleurs. J'ai pas envie de faire genre un concours en mode giga concours, abonnez-vous nanan. Juste j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, limite d'aller voir dans mes DM, envoyer à quelqu'un qui m'a envoyé un message gentil. Enfin franchement c'est vraiment juste pour faire plaisir. Et je sais que si vous êtes là vous adorez aussi un peu tout ça, donc ça me fait trop plaisir. Franchement c'est trop bien. Alors l'huile. Je suis en train de trier tous mes masques. Je pense que je vais mettre genre certains masques au frigo, mes préférés, comme ça ils sont vraiment prêts à l'utilisation, et les autres je vais un peu les stocker. Mais franchement depuis que j'utilise des masques en tissu, ma peau elle a trop changé, donc c'est un très bon investissement tout ça. Ok, j'ai réussi à faire bon tri. Là j'ai mis tous mes petits masques en mode stockage et j'ai un autre tas à mettre au frigo. Trop bien. J'ai terminé, il est presque 1h du matin et comment vous dire que le décalage horaire me tape sur le crâne. Là normalement il est 8h du matin en Corée, donc c'est logique que je sois crevée parce que je suis censée dormir depuis longtemps. Donc je vais aller me coucher et on se retrouve demain, j'ai décidé de continuer, voilà. Y a rien de prévu dans cette vidéo, donc j'aime bien. Est-ce que vous voyez que je me suis huilé le visage? J'ai une peau de coréenne bientôt. Bref, j'arrête, à demain. Demain, je suis KO. Mais quand je dis KO, c'est KO. Genre là, je veux dormir. J'étais en train de me préparer un matcha en mode bon, ça va me donner l'énergie, je vais me sentir mieux. Et là, je me souviens que hier, j'ai fait un glaçon avec le truc cacao. Donc, on va voir comment ça rend. Tadam! Et genre là, je suis sûre qu'il va se casser. Oh, c'est une galère. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh non, mais moi, je m'étais dit, ça va être mon glaçon tous les matins. Mais impossible, tu fais une crise de nerfs tous les matins. C'est mignon. On va mettre ça là-dedans. Voilà quoi, c'est un glaçon. Alors, programme de la journée, j'avoue que je suis en déprime depuis ce matin. J'étais vraiment en mode recherche des prochaines vidéos, recherche de tout ça, j'essaye de me faire mon planning, mes trucs. Mais je pense que j'ai toujours cette déprime quand je rentre de voyage, où j'avais énormément de moyens de créer du contenu, parce que bah, il y a plein de choses à filmer quand on est à l'étranger, etc. Et à chaque fois que je rentre, déjà je suis dégoûtée d'être rentrée. Et en plus, bah, il faut trouver des nouvelles idées, etc. Donc ça peut être parfois difficile, et quand je trouve pas, ça peut être un peu déprimant. Et du coup là, c'est ce que ça me fait. J'avais des idées, mais en fait ça va pas être possible au niveau du timing, et en plus j'ai décidé de ralentir le rythme pour cet été parce que je fais 2 vidéos par semaine depuis très longtemps. Et je pense que l'été c'est le moment idéal, comme tout le monde est un peu en vacances, il fait chaud, tu sors, etc. Donc il n'y a pas grand monde sur YouTube, donc je pense que si il y a un moment dans l'année où on peut ralentir le rythme, c'est l'été. Du coup j'ai décidé de faire 1 vidéo par semaine au mois de juillet et pas de vidéo au mois d'août. Je pense que honnêtement j'ai pas envie, genre j'aimerais trop pouvoir vous filmer plein de trucs, vous sortir plein de contenu, mais je pense que si je veux être à fond pour la rentrée en septembre, il faut vraiment que je sois en forme et que je sois, que j'ai le temps de tout préparer, parce que ma vie est une histoire de rush, je cours après le temps. Bref, donc là je suis en train de prévoir tout le mois de juin, il y a des trucs trop cool. En plus je vais dans le sud à la fin du mois pour voir mon père, donc je suis trop contente. Aujourd'hui on va aller faire nos ongles, d'ailleurs le rendez-vous est dans moins d'une heure. En fait quand j'étais en Corée, je voulais faire mes ongles pour ceux qui ont vu la vidéo, mais il n'y avait plus de rendez-vous, donc j'ai tout coupé moi-même. J'en avais marre d'avoir des ongles longs, c'était mes vrais ongles, mais j'ai tout coupé. Donc on va mettre du semi par-dessus parce que là c'est du vernis
vernis classique et il est écaillé, je déteste ça. Hier j'ai tout rangé, alors rangé. J'ai déjà vidé mes valises, d'ailleurs il faut que je fasse une machine, ça m'y fait penser. J'ai fait des sacs pour toute ma famille, clairement. Le gros souci de ma vie c'est vraiment mes placards, parce que je pense que certaines personnes vont faire un arrêt cardiaque, mais tous les tiroirs c'est ça. Faut vraiment pas avoir peur du bordel. Et là j'ai mis du coup des nouveaux petits produits que je voudrais tester, des nouveaux trucs. Là c'est pareil, bon c'est toujours rangé pareil après. Bref, en vrai j'ai réussi à vider mes valises, c'est un bon point. C'est plutôt rangé on va dire, on a connu pire. Et voilà mes ongles, j'aime trop, je sais pas si vous voyez, il y a genre des mini feuilles d'or, j'ai jamais fait un truc comme ça. Moi je suis vraiment très ennuyante comme cliente, genre je suis vraiment le genre de meuf qui vient pour juste un petit rose pâle, genre mon hésitation c'est toujours rose pâle ou rose genre hyper opaque, mais là c'est ça change. D'ailleurs aucun rapport, mais on a un gros souci, j'ai un problème depuis que j'habite seule, donc ça fait quand même des années, tous les mois de juin je pète un câble et je veux déménager. Là j'étais en mode bon bah ça va, j'ai pas trop cette phase, parce que en gros normalement je déménage en juin, mais genre j'ai cette phase qui commence un petit peu avant. Et ma phase en fait elle a pas commencé parce que j'étais en Corée. Pourtant je l'adore, je l'ai toujours adoré, c'est le meilleur appartement que j'ai eu dans ma vie. Mais je sais pas pourquoi, je pense que comme je travaille chez moi et que je passe mes journées chez moi sur mon ordinateur, un moment bah c'est sûr que tu te lasses un peu. Mais ce qui n'a pas de sens, genre tu déménages pas parce que tu t'es lassé dans l'appartement, genre personne fait ça. Mais j'ai un cerveau qui tient pas debout. Et Jérémy tous les ans il pète un câble, il me dit oh putain ça y est ça recommence. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir. Petit message de la fin. Vous savez que c'est indispensable pour moi. Je me suis rendu compte parce que quand j'étais en Corée, j'ai eu la première semaine avec la team Herborian, 2 semaines avec mon copain et 1 semaine toute seule. Et vraiment, le fait d'avoir passé 1 semaine toute seule sans avoir de vidéo à tourner, sans avoir rien à faire, genre vraiment, j'ai travaillé peut-être 3 heures par jour. C'était vraiment ma semaine, genre ma semaine pour profiter. Et bah, je vous jure, si vous pouvez, je sais qu'en ce moment, c'est les périodes d'examen. Je vous envoie toute ma force. Courage. Je croise les doigts pour vous. Il y a Parcoursup et tout, c'est le bordel en ce moment. Je sais que c'est dur psychologiquement, mais tenez le choc, ça va aller. Donc je ne dis pas ça forcément pour maintenant parce que c'est la pire période de l'année, mais oubliez pas de prendre un tout petit peu de temps pour vous. Je vous dis pas que vous avez besoin d'aller en Corée, pas du tout, sinon ce serait problématique je pense. Même si c'est chez vous, prenez genre 2-3 jours où vous faites rien, mais rien pour de vrai, parce que moi je suis la championne de rien faire mais penser à tout, donc pas du tout me détendre. Et là je l'ai vraiment fait pendant une semaine, honnêtement ça doit faire peut-être, je pense que ça fait 3-4 ans, et c'était ouf. Et là en rentrant je me suis pris genre une claque dans la figure, parce que la tonne de choses que j'ai à faire, des vidéos à programmer, je dois bouger à la fin du mois, oh là là, des rendez-vous, des trucs, mais je me dis mais wow, c'est ça ma vie, genre de toujours stressée, parce que c'est ça mon problème. Et je me rends compte à quel point je peux être genre apaisée et à quel point je peux être stressée, et je me rends compte aussi que je ne veux pas que ma vie ce soit la vie stressée, donc il faut se préserver un maximum. Alors évidemment on est obligé de passer par des périodes difficiles, parce qu'à un moment quand on veut des résultats de telles choses et qu'il faut se donner à fond, bah on se donne à fond et c'est pas grave. En fait je déteste les discours soit des gens qui te disent non mais attends, ça peut passer après, c'est d'abord toi, nanani nanana, et que si t'es stressé c'est pas normal, si tu travailles beaucoup c'est pas normal. J'aime pas ce discours, parce qu'à un moment quand on veut quelque chose bah on peut s'en donner les moyens. Mais j'aime pas non plus les discours qui disent qu'en gros si t'es pas en train de pleurer tous les soirs, si t'es pas en burn-out, c'est que t'as pas bien travaillé ou c'est que t'as pas assez travaillé. Je pense qu'il faut juste trouver le juste milieu. Moi je l'ai pas encore vraiment trouvé, on va pas se mentir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Abonnez-vous que si les vidéos vous plaisent, vous êtes pas obligés. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que dans tous les cas, je vous tiens au courant en story tous les jours et je suis présente tous les jours. Il y a le petit lien HelloFresh si ça vous intéresse. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous fais de gros bisous, à très très vite. N'oubliez pas que je sors normalement 2 vidéos par semaine, une mercredi et le dimanche. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.